Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on change de zone. Je suis dans les bois entre Haybes et Hargnies. Je me suis lancé dans une rando un peu particulière parce que j'ai pas étudié plus que ça les dénivelés. Donc, ça sera un peu la surprise. Je sais que le trajet prévu fait une boucle. Donc, je suis censé rentrer chez moi avant soir et il fait froid. Il y a des zones, il y a quasi pas de neige et d'autres où c'est bien enneigé. On est à environ 300 mètres d'altitude, je crois. Je suis parti avec un sac de 4 kilos. En matériel supplémentaire par rapport à d'habitude, j'ai une genouillère parce que j'ai quelques douleurs au genou aux dernières randonnées. Donc on verra ce que ça donne. J'ai en plus des gants très fins en laine mérinos, mais ils sont très bien. Quand il n'y a pas de vent, c'est parfait. Et j'ai en plus un tapis, un petit tapis pour s'asseoir. Je vous montrerai tout à l'heure quand je m'en servirai. Donc voilà, c'est parti. J'ai déjà fait un peu plus d'un kilomètre pour m'arrêter ici et faire cette intro. Et la suite, je verrai vers midi, midi et demi, selon où j'en suis. À tout à l'heure. Alors voilà, c'est l'heure de la pause. Je viens de terminer de manger devant un paysage magnifique. Et c'est le silence. C'est super. J'en suis à 8 km. Voilà, j'ai marché un peu plus de 2 heures. J'ai pas mal monté pour commencer. Ensuite, je suis redescendu. Là, je remonte depuis quelque temps et là, c'est du plat et un peu de descente qui s'annonce. Si je calcule bien, je devrais en avoir pour encore 6 km pour revenir à mon point de départ. Et j'ai toujours. J'ai pas froid, en marchant j'ai pas froid, là en m'arrêtant un petit peu, mais c'est super. J'ai vu aucune bête, j'ai vu beaucoup de traces dans la neige, mais sinon voilà, rien. Je suis pas fatigué, mon rythme était je pense était pas mal, et ce qui me permet de pas être fatigué, j'ai bu pas mal d'eau aussi. Et voilà, je vais reprendre mon chemin et je ferai un débrief à l'arrivée. À tout à l'heure.
Mon chemin, c'est là. Donc je dois traverser ça. Et je ne sais pas comment. Ok, donc j'étais bloqué là-bas. Et en remontant un peu le cours du ruisseau. Hop! Un endroit sympa. Donc j'ai planté mes bâtons. Heureusement, j'ai des grandes jambes. J'ai pu enjamber et ensuite je suis propulsé avec les bâtons. Et me voilà de l'autre côté. J'ai traversé le cours d'eau ensuite. Une montée comme ça. J'exagère. Mais pleine de boue. Et il y a des traces de pneus. En fait, toute l'eau qui est en train de fondre coule par là, et donc ça humidifie tout le sol, et tout le sol est meuble, donc pas stable et pour monter. Heureusement que j'ai les bâtons. Il m'en reste encore un bout. Là, je fais une pause pour manger un morceau. Donc me voilà rentré après 14,34 km à marcher en 3h33 et avec un dénivelé de quasiment 800 mètres. C'est pour ça que j'ai mal dans le haut des cuisses, mais pas au genou. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une randonnée assez difficile, mais c'était intéressant. Très intéressant, des beaux paysages, c'était bien, je suis content et j'en referai peut-être de ce style avec un parcours un peu à l'arrache, si on peut dire. En tout cas, on verra demain pour les douleurs, mais ça devrait aller, je suis confiant. Allez, à la semaine prochaine.